On va regarder une petite vidéo que tu as réalisée, une vidéo qui dure 5 minutes, donc qui n'est pas hyper longue. C'est un voyage que tu as fait. On regarde la vidéo et puis on revient juste Ok. après dessus. Thank you.
merci. Bon, on a vu dans cette vidéo 19 pays hein, traversés en un an, c'est ça, en un tour du monde. En fait, il paraît que tu as économisé pendant hyper longtemps pour ça. Donc, job étudiant et j'ai travaillé 3 ans avant. Donc, ça veut dire pendant 3 ans, tu as travaillé pour financer ce voyage. Oui, en grosse partie. Et alors, est-ce que c'est simple en fait de faire un tour du monde? Parce que je pense que ça fait rêver énormément de personnes, moi le premier, quand je vois ces images surtout. Est-ce que c'est simple? C'est quoi la préparation pour ça? Il n'y a pas énormément de préparation. Moi, ce qui m'a pris le plus de temps, c'est la recherche des billets d'avion. Donc, trouver les moins chers. Trouver les moins chers. Donc, ça m'a pris plus ou moins 4 mois. Et au final, je suis passé par une agence basée en France qui s'appelle ZipWorld. Donc là, j'ai pu prendre un billet tour du monde. Alors, quand on part en tour du monde comme ça, j'imagine qu'il faut être préparé, donc comme tu le disais. Est-ce qu'il t'a fallu... Je sais pas, un coaching particulier. Est-ce qu'il a fallu apprendre des langues? Est-ce qu'il a fallu apprendre des choses en particulier avant d'aller dans différents pays? Aucun coaching en particulier. Non. Donc, juste savoir les vaccins, quel visa il fallait faire, etc. Mais sinon, non. Donc aujourd'hui, si demain je veux faire un tour du monde et que j'ai pas d'argent, comment est-ce que je fais? Il y a plusieurs solutions. Peut-être pas un tour du monde, mais tu peux commencer par un visa vacances-travail. Donc, tu peux travailler et voyager dans certains pays, notamment Australie, Canada, etc. Il y en a quelques-uns comme ça. Sinon, tu peux aussi faire des LPX ou Workaway. Donc, tu vas travailler chez les gens, ils t'hébergent, ils donnent à manger, etc. Et voilà, tu visites et comme ça. Ou alors, tu peux faire volontaire dans une auberge de jeunesse. Okay, donc il y a vraiment plein de solutions différentes si jamais tu n'as pas particulièrement d'argent. Exact. Voilà. Ou alors tu bosses pendant un petit moment avant pour pouvoir partir. Voilà. C'est ça. Il y a d'autres voyages prévus là maintenant? Avec d'autres vidéos? La prochaine vidéo, je pense qu'il y aura la Birmanie. J'ai mis la Nouvelle-Zélande il y a une semaine sur ma page Facebook. Donc en fait, tu as vraiment envie de développer cette idée de voyager et puis de ramener des vidéos. Tu n'es pas du tout réalisateur en fait à la base? Non, pas du tout. C'est mon hobby. Ok, donc en fait, le montage qu'on a vu là, qui est quand même assez sympa, il y a des belles images, finalement, il est un peu arrivé par hasard, quoi. Il a réalisé petit à petit. En fait, j'ai commencé par faire des vidéos de vacances pour moi garder un souvenir. Donc, j'ai commencé avec iMovie, c'est le programme gratuit sur Mac. Et ensuite, je me suis amélioré de vidéo en vidéo. Okay. Merci beaucoup, Juan. Plaisir.